2 minutes. Ça, c'est de la musique. Bon, bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de news ni quoi que ce soit parce que j'étais un petit peu débordé. Et bon, j'étais aussi un petit peu à l'étranger pour ceux qui me connaissent, qui savent ce que j'étais en train de faire en ce moment. Donc, je reviens vers vous pour plusieurs raisons. En même temps, pour vous faire une petite review d'une petite nouveauté qui est sortie là en fin d'année 2019. Qui m'intriguait un petit peu sur l'état de finition, bref, interne, etc. Bon. Donc ça va peut-être en faire criser quelques-uns ou en faire grincer des dents, mais j'adore ça. Et mine de rien, ça, je suis sûr que ça va surprendre. Donc, je fais ça pour vous montrer. Bon, c'est peut-être à l'envers au niveau de la vidéo, mais c'est pas la dernière réplique de chez EMG. Donc, je vais changer après la vidéo, qui est un M4 licencié, enfin licence avec licence Novesque, avec cahier des charges EMG et avec une finalité de distribution commerciale par APS. Alors certes, APS du coup a conclu un accord pour pouvoir équiper ces répliques-là de leur gearbox, mais avec cahier des charges d'EMG. Pour pouvoir égaler la fiabilité et la belle finition du groupe Novesque. Donc, allez, on va passer de l'autre côté. Allez, on ouvre The Boîte. Donc, la boîte très sympathique. Hein, comme d'habitude, ils font de belles répliques. Bon, hein, il y en a un petit peu partout sur la table. C'est pas grave. On n'est pas là pour ce qu'il y a dessus. Alors, moi j'ai rajouté quelques petites pièces déjà tout de suite pour prévoir, c'est-à-dire un moteur high torque, une tête de piston full metal avec un cylindre bloc quand même, histoire de renforcer, une tête silente qui va aller avec, métal aussi pour faire de bruit, un cylindre plein, une batterie Lyon, c'est un projet aussi qui a vu le jour, qui est disponible chez Taiwan Gun. Ce sont des batteries 18650 couplées qui permet d'avoir une lipo, alors même s'il y a moins de taux de décharge, il y a beaucoup plus de longévité et si la réplique est bien équipée, mine de rien, ça fait tout à fait son travail correctement et moins de problématiques que certaines lipos, que ce soit pour les sauvegarder, les charger, etc. et en cycle de vie. Un joint Maple Leaf que beaucoup connaissent, hein, donc je ne vais pas vous la faire. Donc dans la boîte d'origine, nous avons un chargeur, donc forcément, on regarde si on y arrive à y voir, si on voit, donc bref, c'est un chargeur APS iCap que je n'utiliserai pas. Ensuite la réplique, c'est quand même bien monté serré dedans, comme ça, ça risque pas de bouger, et surtout à une main que c'est pas trop évident. Donc une tige de débourrage, hein, la plupart vous en battez les couilles. Et cette magnifique, franchement, réplique. J'ai trouvé le niveau de finition vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Donc on peut voir le travail de Novesque sur son cahier des charges en termes de... Allez, fait le point comme il faut. En termes de qualité de fabrication. C'est vraiment, vraiment impeccable. C'est vraiment du très beau travail. C'est gravé, comme on peut le voir. Donc même la poignée garde-main qui a un bon grip. Alors, moi tout de suite, le premier coup d'œil. Alors oui, vous allez voir, hein, tout est ambidex dessus. Donc ça, c'est bien pratique. Le bolt catch, mag release aussi de l'autre côté. Bolt catch qu'il faut... actionner quand on tire, enfin, je vais vous montrer après. Ça aussi, bon bref, il y a même jusqu'aux petits détails sur les goupilles, l'emblème de Novesque. Là aussi, quand on tire le levier, bref, c'est la version en plus infidèle. Donc vraiment très 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 joli. J'en étais plus qu'agréablement surpris.
Je ne m'attendais pas à ce niveau de qualité de finition. Même sur les plastiques, il n'y a pas de traces de moulage, rien du tout. La crosse, bon, qui a toujours un léger petit jeu par rapport au tube, hein, mais bon, je dirais que c'est pas ce qui empêche de jouer ni quoi que ce soit. Donc, j'ai demandé. Alors, elle a été achetée chez Taiwan Gun pour 314 euros. Et j'ai demandé à la downgrader à 370 fps pour que ça soit jouable dans différentes configurations, etc. Bon, bien sûr, on va découvrir ça. On va regarder un petit peu cette interne également. Avant de démonter la réplique, parce qu'on va, quand même aller voir ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, c'est un système à l'intérieur. Donc, c'est une gearbox Silver Edge avec le MOSFET intégré avec le logiciel SDU, je crois, un truc comme ça. C'est le 2.0, c'est pas le 1, donc il permet de pouvoir se programmer directement à l'intérieur. Donc vous avez le petit bouton ici, là. Alors, c'est pas évident à voir, mais quand on va mettre la batterie, on va voir, ça s'allume. Et ça permet de pouvoir changer le programme sans avoir faire une programmation par rapport à la batterie ou quoi que ce soit. Alors ce qu'on remarque, ce qu'on va remarquer à l'intérieur, c'est que pour moi qui ai eu une ARES, c'est exactement le même MOSFET et le même système de calibration du cycle et en même temps de contrôle de cycle de la gearbox qu'ARES. Jusque là, ça fait 4 ans, plus de 4 ans que je joue avec une ARES à Moiba. Je n'ai eu aucun souci à déplorer. Seul problème, c'est que pour la programmer, il fallait le boîtier supplémentaire pour pouvoir la programmer. Là, pas besoin, tout est intégré pour pouvoir faire la programmation et ça capte et ça calcule le type de batterie en plus qu'on y met, que ce soit LiPo, Li-ion et NiMH ou NiCD. Donc, voilà encore un petit peu pour ceux qui ont envie de voir. Alors, ce cache-flamme-là, c'est pas le cache-flamme traceur. C'est le cache-flamme de base qui fait amplificateur sonore. Alors c'est pas réducteur sonore, c'est l'amplificateur. Ça donne un petit bruit sympathique. Ça a été développé avec EGM, pour pouvoir proposer des répliques de training et non pas juste de la simulation ou de l'airsoft. Donc c'est pour ça qu'ils avaient besoin que ça fasse un petit peu plus de bruit. Sauf que du coup, il y a Novesque qui a sorti ce type de silencieux avec un traceur intégré et qui est à peu près à 85, entre 85 euros et 90 euros, suivant les sites marchands. Allez, on va faire un test de la réplique sortie de boîte, donc qui est à 370 fps. On va mettre de la 0.25 dans un chargeur. Et on va tester un petit peu le bloc-up et le joint qu'il y a déjà dedans, etc. Et écouter un petit peu les bruits et tout. Allez, à de suite. Ok, allez, on va mettre la batterie. Donc vous avez une petite goupille ici sur la crosse. Alors qu'il est pas mal, hein. Comme je vous dis, il y a tous les points, je vais pas commencer à faire un cours là-dessus, mais vous savez comment c'est. On va être pour certains surpris, même si c'est déjà annoncé, etc. Branchement d'origine en TDI, donc ça c'est pas mal. Bon, la batterie que j'ai prise est un peu plus longue que le tube de crosse, mais je m'en fous dans un sens parce que j'ai le bras long, comme on dit. Du coup, je fais juste rentrer un tout petit peu comme ça. J'évite comme des pieds pour les câbles. Savoir si la crosse elle est bien réglée, vous mettez la crosse comme ça, le bras à 90 degrés, et vous devez avoir la poignée bien en main sans que ça appuie fort. Du coup, en termes de maintien, vous êtes bien. Ok, on va essayer, alors pas le chargeur d'origine, mais on va essayer un ATM EMAG et un ATM STANAG avec deux grammages différents, 0.25 et 0.28. Ruby, rappelle-moi, 0.25 et 0.28. Okay. Avec telle qu'elle est d'origine. Voilà.
essais et on a marqué tous les 5 mètres. Donc ici on se trouve déjà à 40 mètres. Donc on va essayer d'abord avec la 0,25. Hop. Bon, ça s'envole un peu parce que. Voilà. Ça y va, hein. Quand on voit où est-ce que la bille elle va, elle monte un peu, c'est un peu lourd. Je sais pas si vous voyez tous. Je tire dans le côté sombre là-bas, ça y va. Allez, on recule. Pour 370 fps, hein, je répète. Donc là, on va à 50 mètres. 50 mètres, on va voir si ça touche bien la cible. Elle y va. On recule encore. 55. Allez, on pousse. On va à 60. Là, je ne sais pas. Je n'ai pas de moyen de viser. Ah, elle y va pourtant. On va voir où est-ce qu'elle tombe. Tire un peu sur la droite. Encore. Ah non, mais elle monte beaucoup trop en fait. Tire en bas à droite de la cible. Un petit peu sur le peuple, alors. Vous avez un joli levier. Et pour pouvoir le bloquer avec le ball cache, il faut juste appuyer ici. Comme ça, ça vous fait garder la petite plaque en arrière. Du coup, vous pouvez soit le release de ce côté-là, soit le release de ce côté-là. Il est pas, c'est pas automatique quand on tire. Allez, hop, toi, voilà. Donc on va desserrer un tout petit peu ce joint pour de la 0,25. Hop. On va voir si ça y va. Oh ben là, ça descend carrément. Donc c'est vraiment du un chouïa. Hein. Allez, on va se rapprocher un peu à 55. Ouais, là ça baisse. Ouais. Ah, bing. C'est, le bruit est pas dégueu. Pour une petite sortie de boîte. Ok, pour pouvoir changer le programme, là ici, là on est au stade 0. Donc à chaque fois qu'on débranche la batterie, on remet le programme à 0. Là, quand j'appuie, en fait, la lumière s'allume rouge, ça se met à clignoter. Hop, normalement, je suis passé toujours semi, ici, un burst de 3. Pour en 0,25 c'est pas mal, ça lève un petit peu. On va essayer avec la 0,28 avec le chargeur Stanag qui a pas de jeu, ça tient vraiment bien. Bon, à cette distance là, faut pas s'attendre à avoir une précision de foudre de guerre. On est en 50. En plus, j'ai pas d'optique de visée, ça lève ou quoi? Non. Ouais, bon, fin de portée, la précision est un petit peu limite. Mais on voit quand même une belle distance possible et jouable direct sortie de boîte. Maintenant, on va passer à l'interne et on va rajouter ce que j'ai prévu et on va voir la différence. Ok les gars, à la de suite.
Ouais. Bon, pendant que certains jouent sur leur téléphone et essayent de faire une course, donc maintenant il fait un petit peu nuit, mais bon, c'est pas grave. J'ai procédé au démontage de la gearbox. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, on fait vite fait le point. Donc, on se retrouve avec quelques petites choses qu'il a fallu faire attention en démontant, comme par exemple le système ambidextre qui était bien bien monté, serré, avec un axe, mine de rien, qui était bien monté, serré sur l'autre gear. Donc, on se retrouve avec l'intérieur qui ressemble à s'y méprendre au MOSFET de chez ARES, avec le même système d'aimant néodyne sur la gear ici, avec le capteur ici qui se trouve sur cette face de la gear. Donc, je trouve le principe très bon. Bon, la détente, comme on le voit, c'est propriétaire. Mais en même temps, vous prenez une SHS pour ARES ou n'importe quoi, ou du moins pour switch électronique. Je pense qu'en faisant 2-3 petits usinages ou modifs, ça passe allègrement. Moi, c'est ce que j'avais fait sur ma ARES. Ça, c'est le système de quick detach, du moins quick detach. Quick change au niveau du ressort. On se retrouve avec un piston donc classique, mais cette fois-ci renforcé directement dans la gearbox, donc dans métal. Bon, tête de piston qui va gicler, une tête de cylindre en plastique et un nozzle métal. Donc, à savoir que bon, c'est du classique. Il y a déjà un O-ring dessus, donc on va l'ouvrir aussi. Bon, tapette plate classique. Les gears, c'est du 18:1 d'origine. Les roulements, je les ai regardés, ils ont l'air pas mal du tout, dans le sens où ils ont pas de jeu, pas du tout de jeu. Ça tourne bien. Apparemment, ça serait de fabrication allemande. Donc, Bosch, c'est du travail de pro, comme on dit. Le bloc-up full métal, bon, qui brille bien, hein, mais bon, c'est pas parce que ça brille que c'est beau, et que c'est, du moins que c'est beau, mais que c'est bon. Le canon, il a déjà des petites épaisseurs en caoutchouc pour qu'il puisse bien éviter de bouger dans le surcanon. Donc c'est pas mal. Je dirais que il y a des bonnes petites choses. Bon, la gear a l'air vachement épaisse sur le haut, donc a l'air d'être un petit peu renforcée. Elle fait son poids, mine de rien. Donc assez surpris. Donc bon, c'est comme toute gearbox de toute façon. Si c'est pas usiné directement taillé dans la masse, on voit quand même qu'il y a eu des petites retouches, mais c'est quand même du moulé. Hein. Donc faut pas non plus s'y méprendre. C'est resurfacé très certainement à certains endroits pour les gears. Mais bon, je dirais pas plus que ça. Donc on va procéder. On va mettre le cylindre plein. La tête de cylindre, la tête de piston, le joint au pop, et juste avec ça, ah oui, et le moteur, pardon. Parce que j'ai regardé quand ils disent moteur high torque, non, c'est pas un moteur high torque, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc là-dessus, je dirais que petit bémol là-dessus, c'est pas un high torque. Si on prend un high torque, même chip de chez chip, chez Airsoft Entrepôt, quand on veut le tourner à la main, il résiste beaucoup plus que celui-là. Il n'y a pas photo. Là, je force légèrement plus. Là, il tourne tout seul. Hein. C'est même avec un doigt comme ça, alors que là, le faire avec un doigt, c'est un peu plus fort. Donc voilà, déjà en faisant ça, ça permet de pouvoir voir si c'est vraiment high torque ou pas. Donc on va voir la réactivité que ça mettra. Je vais laisser les gears tels quels. Le calage était très bon déjà de base, donc pas eu besoin d'y retoucher. Je vais remettre exactement les mêmes rondelles, etc. Ça, j'y touche pas. J'ai juste touché cette partie-là, ça, qui est à jouer. Ici aussi, je laisse le ressort également, je mets le moteur, je mets le joint et demain on teste. Je vais laisser aussi le bloc op-up, mais je pense que je ferai peut-être un test avec un max, avec système traceur dessus, etc., qui est vraiment très très bien, pour le prix aussi, c'est très bien, mais il vaut son prix. Mais bon, on va pas non plus faire une réplique au-delà de 400 balles. Déjà, rien qu'avec les petits trucs qu'on rajoute dessus tout de suite, ça peut vite chiffrer. Avec encore les gears en plus, on arriverait aux alentours de 400 €. Mais en termes de rapport qualité-prix, pour l'instant, je trouve que c'est très très satisfaisant.
Donc désolé pour ceux qui n'apprécient pas APS et ils font que la commercialiser. Ils ont mis leur gearbox dedans parce que ça a été un accord qui a été passé, mais sous cahier des charges EMG et Novesque. Donc voilà, il y a ce côté quand même un petit peu rassurant du contrôle qualité qu'il y a eu. Ils ont voulu aussi qu'il n'y ait pas le système EBB parce que déjà ça servait à rien. Et en même temps, ça fragilisait la réplique, et en plus de ça, ça tenait pas dans le temps. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Je trouve que le FCU qu'il y a en S-Test avec le bloc hop-up, donc sur la NSBR, avec le bloc hop-up réglé à 0,28, sans toucher le bloc hop-up, on a retesté avec de la 0,20, vous voyez, on redescend presque aux valeurs qui étaient dites sur le papier de Taiwan Gun, parce que j'aurais demandé de me la régler à 370. Donc on voit 372, 71 au plus petit, puis après ça se stabilise à 375, 374. Donc on descend de 6 FPS grosso modo avec le joint réglé. Donc après il y en a qui vont parler de joule creep, etc. et blablabla et blablabla. Bref, sortie de bouche de canon, je dirais à une vitesse intéressante et avec de la 0,20 le hop-up réglé. Bon, ça va. Je pense qu'on a une belle réplique. On est revenu ce matin pour finir de la remonter. Donc on a ici les pièces qui ont été changées. Tête de cylindre, tête de piston, qui était déjà sur roulement, mais on voit que c'est une vis, on va dire une vis à bois, quoi, pour du plastique. Donc je dirais pas laisser longtemps. Le joint hop-up. Le cylindre, par contre, on l'a pas mis. On a gardé celui d'origine qui était à jouer. Où est-ce qu'elle est la boîte? Donc, à savoir que ceux-là, les balles, ils avaient l'air sympathiques comme ça d'aspect. Même diamètre extérieur, mais pas le même diamètre intérieur. Alliage beaucoup plus fin et du coup beaucoup trop de jeu au niveau de la tête de piston et surtout du joint. Donc étanchéité avec ça, zéro. Si ce n'est avec un très gros joint, je ne sais même pas dans quel type de réplique on va voir si ça passe, hein, très bien. Hein. Mais après, dès qu'on met le piston dedans, ça fait plus étanchéité. Donc, j'ai pas fait de coup d'essai. J'ai mis la batterie. On va voir avec de la 0,28, vu qu'on a changé le joint au pop. On va repasser au chrony avec de la 0,20. Et on va voir la cadence. Toujours mettre les lunettes. Donc, si on voit là, paramétré en 0,20. Bref, par rapport donc moyenne de 380, en ayant uniquement changé le kit piston, tête de cylindre et le joint forcément de la tête de piston, on sent déjà que le bruit à l'intérieur est beaucoup plus soft et je trouve la réactivité un petit peu différente. Donc on va poser ça là. On va enlever le chargeur en 0,28. Alors il y a toujours le son. Je trouve que la réactivité, par contre, avec le petit moteur, c'est déjà. C'est autre chose qu'avec le moteur d'origine. Donc quand ils disent moteur high torque, pas sûr du tout. Il y a quelque chose qui s'est bloqué. Alors sûrement sur le remontage, ça n'a pas dû se faire comme il faut. Ah non, c'est bon. C'est moi qui déconne. Ok, allez. On va repartir comme hier à 40 mètres.
pop-up à zéro, donc maintenant on va régler un petit peu l'op-up. Le joint il est neuf, hein, donc on commence pas à... Propre, franchement hyper propre. Allez, on passe à 45. On est en 0,28. Donc 380 à 0,20. Ouais, là, niveau précision, à savoir que le canon d'origine dedans, c'est un 6,04. Donc on l'a pas changé. Il y a moyen encore d'upgrader de ce niveau-là, ainsi que le bloc op-up. Allez, 50. Il y a un léger vent qu'on sent, mais c'est léger. Donc 50, nickel. Donc par rapport à hier, c'est, tout va dedans, c'est très très régulier. Alors merci Maple Leaf de nous faire des jolis joints. Si je mets un optique dessus en x4, je vais peut-être être sûrement étonné. Donc 55, ça passe nickel. 60. Voyons, parce que j'ai pas encore réglé le joint, hein, c'est-à-dire que ça lève. Bon, on va lever un peu. Ça touche, hein. Il est bien. Allez, voyons 65. Là, on commence à avoir des trous. Là, on est dans un petit couloir devant. Donc, on va bien voir. Ah merde, je croyais qu'elle y était. Ah. On va lever un tout petit peu plus pour voir. Je vais taper à côté pour voir. Ouais, elle y va, hein, mais... Ça commence à plonger à 50, à 60, ça commence sérieusement à plonger. Donc même, mais par contre, quand je vois la vélocité, rapproche-toi, viens juste derrière moi, on va voir si on voit la bille. Je vais taper dans la zone sombre, là-bas, pour qu'on puisse voir la cible. Enfin, du moins la bille. Alors c'est la 0,28, si je tire un peu plus le joint pour voir ce que ça va donner. Ouais, c'est vraiment la fin de portée, quoi. Et puis je me rapproche de la 60. Elle y va. Elle y va amplement. Un petit coup en foule. Franchement propre. Hein. Allez, on va refaire un petit essai à 65. Ouais, ça plonge. Hein. Donc entre ces deux distances, on voit déjà sur lesquelles on peut s'en engager proprement. Je suis voir un petit coup en mode burst là quand même. Histoire de voir ça, parce que moi j'aime bien le burst. Bref, ça y va, mais je dirais qu'il faut viser au niveau de la tête pour que les billes arrivent ici à 65. À 60, la bille, on va dire, va commencer à plonger, donc suivant déjà le rodage du joint et le réglage. Si vous aimez bien que la bille finit de monter en fin de portée ou que ça commence à plonger de suite, bon, c'est les goûts des uns et des autres.
Moi j'aime bien quand ça finit de... Je suis très étonné, donc batterie Lion, pas lipo, ni lifeu, ni NICD, ni NIMH, batterie Lion en 11.1, moteur iTorque, donc vous avez vu les modifs, hein. Très agréablement surpris, il n'y a pratiquement rien à faire pour pouvoir déjà jouer et engager de 45, de 40 jusqu'à 60 mètres propre. C'est, on va dire que la bille met quand même son temps. 0,30, ça serait un petit peu lourd, on raccourcirait encore de 5 mètres, mais on serait beaucoup plus précis et stable en termes de tir. Puis après, tout dépend aussi de la bille, comment elle va accrocher le joint. Mais en conclusion, je dirais que sortie de boîte, c'est pas mal. Mais là, avec ce qu'on a fait, bah, on a gagné 10 FPS en termes d'étanchéité. Le joint, il fait aussi. Je dirais que 60, c'est le maxi. 65, ça commence à être un petit peu très délicat, mais peut-être qu'avec un canon précision, un bloc hop-up avec un appui différent et un petit peu plus large, je pense qu'il y aura encore moyen que ça frite un petit peu plus et qu'on gagne un petit peu en portée. Bon, après, je dirais que c'est pas une question de puissance qui fera forcément la distance, mais 380, je dirais que c'est un petit peu normal, mais un jour je ferai un comparatif avec la Moeba que j'ai où je suis à 350 et j'ai la même portée, un petit peu plus lent quand même, mais à 5 mètres près j'ai la même portée. Voilà. Donc bah, les gars, si ça, elle vous dit, hein, donc c'est la NSBR 13B de chez EMG, Evike Manufacture Gun. Avec la licence Novesk, équipé par une gearbox Silver Edge avec MOSFET intégré avec le deuxième programme SDU 2.0. Donc voilà, moi je trouve que on a une belle réplique et mine de rien, bah, je pense qu'elle ferait beaucoup d'heureux sur le terrain, même sur des novices, etc., qui cherchent à débuter avec un petit budget. Maximum 400 €, on a quelque chose de très fiable et à ouvrir une fois dans l'année, histoire de refaire les graissages et de vérifier son étanchéité. Allez, à bientôt !